Coucou les enfants, ça y est, mon gâteau est cuit, je pense que le vôtre aussi. Du coup, j'ai tout rangé, tout est propre. Voilà, je vais vous montrer comment on fait pour faire un papillon. Parce que c'est comme c'est l'anniversaire et que c'est le printemps. Et ben, je me suis dit que le papillon, ça représentait bien le printemps. Alors pour ça, vous mettez votre gâteau sur une planche à découper. Prenez un couteau. Et là, vous allez couper le gâteau en trois. Mais on va faire au milieu du gâteau le corps du papillon. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Voilà. Donc là, j'ai fait le corps de mon papillon. Et là, vous séparez les morceaux. Non, j'ai pas bien coupé. Partout. Hop. Voilà. On attrape ce morceau-là. Et on le tourne. Voilà. On attrape ce morceau-là que j'ai pas coupé bien non plus. Voilà. Et on le tourne. Voilà. Et là, nous avons notre papillon que nous allons décorer. Alors je coupe correctement parce que j'ai pas coupé bien partout. J'enlève les petits bouts qui sont en trop, qui feront pas très joli. Voilà. Et là moi j'ai décidé de décorer mon papillon avec du sucre glace que je vais mettre partout dessus. Et voilà, mon papillon, il est devenu tout blanc. Alors, il va falloir faire les antennes du papillon. Alors, pour faire les antennes, moi, je vais prendre deux cure-dents. Parce que, comme on est enfermé à la maison, j'ai pas beaucoup de choses. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé deux petits cure-dents que je vais planter en haut pour faire la tête du papillon. Est-ce que vous voyez bien mes cure-dents? Alors, vous, si vous avez des gâteaux longs qui s'appellent des Mikado avec le bout au chocolat, et ben vous pouvez les planter dedans, vous les cassez et vous les plantez pour faire les antennes en chocolat. Voilà. Après, j'ai décidé de décorer mon gâteau avec des bonbons parce que c'est quand même un gâteau d'anniversaire. Donc du coup, j'ai pris des petits oursons de toutes les couleurs que je vais poser un peu partout sur mon gâteau pour lui donner des belles couleurs aux ailes de mon papillon. Hop, on mélange un peu les couleurs. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et on mange pas les bonbons, hein. C'est après qu'on mange les bonbons, les petits gourmands. Je vous ai à l'œil, hein. Je vous surveille de ma cuisine. Voilà. Oh, il va pas tenir. Voilà. Et un petit rouge. Voilà.
Et après, j'ai pris des petites bouteilles de Coca-Cola que je vais mettre là pour faire le corps du papillon. Donc j'ai fait les ailes et le corps du papillon. Et voilà mon papillon. Qu'est-ce que vous en pensez de mon papillon? Est-ce qu'il vous plaît? Alors, je compte sur vous pour faire la même chose. Et on se retrouve juste après. Pour faire quoi? Pour fêter l'anniversaire. À tout de suite.